Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pilote où aujourd'hui nous allons parler d'une série qui se termine bien. Non, je déconne. Aujourd'hui nous allons parler de Dexter. Bah je sais pas, juste dégage. Enfin tu vois bien qu'ici on n'est pas dans Pilote, on est dans Partoche, donc tu retournes dans ta chaîne. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Partoche. Aujourd'hui, c'est la musique d'ouverture de la série Dexter qu'on va étudier. Pour ceux qui connaissent pas la série, je vais présenter le concept. Dexter Morgan est un spécialiste des taches de sang travaillant dans la police scientifique de Miami, en Floride. C'est-à-dire qu'en gros, il parvient à déduire un certain nombre d'éléments qui permettent de comprendre les scènes de crime grâce aux projections de sang et autres. Ouais, c'est classe. Mais l'intérêt de la série réside dans le fait que Dexter est un tueur en série méticuleux. Mais il ne tue que des criminels, hein, donc ça va, ça passe. Le générique de la série est assez intéressant visuellement, parce qu'il repose sur l'opposition entre la vie normale de Dexter et sa vie secrète de tueur en série. On peut y voir la routine matinale du personnage avec petit-déj et compagnie, mais plusieurs éléments permettant d'apporter une seconde lecture sont glissés un peu partout. Par exemple, les inserts sur la viande découpée rappellent le corps des victimes de Dexter coupé en morceaux, le découpage de l'orange, qui bien entendu est une orange sanguine, ou encore le t-shirt du personnage qui lui colle au visage et qui crée un parallèle avec la méthode de suffocation qu'il utilise parfois pour enlever ses victimes. La routine du matin nous permet d'identifier Dexter comme un gars normal qui se prépare pour aller à son boulot normal. Bon, même si analyser des traces de sang, c'est un peu chelou comme job. En plus, le fait de présenter une routine matinale fait directement écho au rituel macabre, méticuleux et répétitif des meurtres perpétrés par le personnage. Bon, alors l'analyse cinématographique de séquence, à la base, c'est pas mon truc, mais là, c'est assez facile et franchement, c'est intéressant. Ça me permet surtout d'introduire l'analyse de la musique qui repose un peu sur ce même principe de dualité. Ce qu'on peut noter déjà, c'est le mélange entre musique de film symphonique et musique populaire latine, un mélange qu'on retrouvera dans toute l'OST. Déjà par les instruments, on peut entendre de la guitare classique et de la guitare portugaise jouer la mélodie, la contrebasse jouée en pizzicato, donc avec les cordes pincées, des cuivres, très répandus dans la musique latine, du guiro, une percussion typique de la musique cubaine, des timbales, à ne pas confondre avec les timbales classiques, et bien entendu de la batterie. Tous ces instruments se retrouvent dans la musique cubaine comme la samba ou le mambo, et en plus de ça, le rythme ternaire entraînant du thème rappelle facilement un rythme de danse. C'est plutôt une bonne idée, hein, puisque la série se déroule à Miami, une ville de Floride qui recense une importante population d'origine cubaine. Mais en plus de ces instruments, on peut entendre des violons qui vont apporter une teinte supplémentaire à cette ambiance dansante. Une atmosphère représentant le sujet de la série, le tueur en série. Parfois, ces violons vont jouer très mollo. Rappelez-vous, c'est quand les notes sont jouées en tremblant. Et puis, c'est vrai qu'on entend de la trompette, mais elle joue parfois en flatterzung. En jouant, on fait rouler la langue, ce qui donne un son grésillant. Les trémolos des cordes et le flatterzung des trompettes reflètent le suspense omniprésent dans la série. Et c'est pas tout, on discerne très bien du sound design qui accentue cet aspect. Écoutez bien ce long son aigu par exemple. Mais l'harmonie aussi est intéressante, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. En gros, on a deux suites d'accords. Rappelons qu'un accord, c'est une superposition de notes. La première suite enchaîne le premier degré puis le quatrième, qui sont tous les deux mineurs, ultra classiques. Le troisième accord, en revanche, n'appartient pas aux accords naturels de la tonalité. Il s'agit d'un deuxième degré napolitain. Au lieu d'avoir un fa dièse, la deuxième note de notre tonalité, on a un fa bécard, c'est-à-dire plus bas d'un demi-ton. Ce qui fait que l'accord porté par cette note devient majeur du fait de l'espacement plus important entre le fa et le la. Sans cette altération, l'accord serait diminué, comme d'habitude. Je vous fais entendre la différence. Deuxième partie de la mélodie nous offre également une suite harmonique un peu inattendue. Le début est le même, on fait suivre le premier degré et le quatrième, toujours mineur, et là encore, le troisième accord va être un peu spécial. Il s'agit encore une fois du deuxième degré, mais cette fois, ce sont les deux autres notes de l'accord qui vont changer. On va les remonter d'un demi-ton chacune pour obtenir un accord majeur, là encore. Mais pas le même que notre degré napolitain de tout à l'heure. Ça va, vous suivez? Écoutez bien les trois versions.
Le fait que les deux premiers accords sont mineurs et que le troisième est à chaque fois rendu majeur peut nous permettre de proposer plusieurs interprétations. On peut imaginer que ces accords surprenants permettent d'enluminer la musique afin de souligner le bon côté de Dexter. Il les tue en série, oui, mais il ne tue que les criminels. En dehors de ça, il est bienveillant et c'est un gars franchement cool dans la vie. Ces accords majeurs entendus après des accords mineurs permettent aussi d'amener une idée d'insouciance ou plutôt d'assurance. Comme je l'ai déjà dit, le troisième accord de la mélodie devrait être diminué selon la tonalité établie. Or, il est à chaque fois transformé en accord majeur, ce qui illumine l'harmonie qui était jusque-là mineure. Il n'est pas idiot de dire que ça illustre la confiance de Dexter en lui-même, la confiance qu'il a de ne pas se faire arrêter par la police et le fait d'être sûr que sa vraie nature reste cachée de ses proches. Cette particularité dans l'enchaînement des accords montre la dualité de son esprit, l'homme travaillant pour la police qui essaye d'attraper les tueurs et son Dark Passenger, le côté sombre de Dexter, sa soif de sang. Pour terminer, on va s'intéresser à cette petite phrase musicale jouée à la guitare dans l'intro du morceau. On constate que les notes utilisées sont typiques du mode andalou. C'est un mode très utilisé pour donner un côté oriental ou hispanisant à une musique. Ici, on veut bien sûr évoquer la culture cubaine très présente à Miami. La deuxième partie de la phrase présente une descente chromatique. La différence de hauteur des dernières notes utilisées est le plus petit intervalle utilisé en musique occidentale, un demi-ton. Le fa bécard n'appartient pas à notre tonalité, du coup l'oreille est un petit peu surprise. C'est une manière d'évoquer l'esprit particulier de Dexter, sa mentalité hors norme. Voilà en gros tout ce que je voulais dire sur ce petit morceau très sympa qui met dans l'ambiance. Il nous offre un mélange, voire une fusion parfaite entre une musique festive cubaine, ce qui annonce l'ambiance culturelle de l'environnement de la série, et une musique plus orchestrale avec ses codes bien définis comme les violons, les trémolos et surtout les enchaînements harmoniques qui ne sont pas typiques des musiques cubaines mais plus caractéristiques des musiques romantiques ou de films actuels. Et bah merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'en déduis que ça vous a intéressé. Du coup faites-en profiter vos proches et en attendant la suite, moi, je vous fais plein de bisous.